WhatsApp. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question à propos de faire avancer les choses avec une femme qui ne se sent pas prête. Euh, dans le fond, ce serait une femme qui dirait clairement qu'elle ne se sent pas prête à une prochaine étape. Tu sais, elle, elle est ouverte à une suite, mais peut-être pas présentement. Donc, euh, ce genre de truc-là. Dans la, la vidéo précédente, j'avais parlé un peu de ce thème-là, d'une femme qui, que c'est un peu compliqué pour elle, etc. Mais là, là je te parle vraiment d'une femme qui dit clairement qu'elle ne se sent pas prête. Donc, comment réagir face à ce genre de situation-là? Aussi, comment avoir un peu un plan d'action pour le futur, quoi faire quand ça t'arrive. Donc, c'est une question qui revient souvent aussi, donc c'est pour ça que je, je la traite dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais la question, ensuite je t'amener des pistes de solutions. Donc, la question c'est comment passer le message à une femme qui a de l'intérêt pour toi, mais dû à la période actuelle, euh, la période de confinement, et un, 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 un léger problème de santé sans vouloir retarder la fréquentation. Que, puis là, ensuite, dis que tu souhaites la revoir lorsqu'elle se sentira prête. Sans avoir l'air de désespérer. Donc, euh, vraiment, ça, c'est un peu la. Je me doutais que c'est un peu le thème, c'est de dire comment je peux lui montrer que la porte est ouverte pour la suite sans avoir l'air désespéré de, de l'avoir euh, dans ma vie. Euh, c'est quelque chose que j'ai parlé justement euh, dans la dernière euh, question que j'avais répondu, la dernière vidéo de questions que j'ai répondu. Je parlais de cette mentalité-là de rareté. Tu sais, la, tu sais quand tu es dans une mentalité où est-ce il faut absolument que ça fonctionne, mais tu vas avoir des mauvais comportements, tu vas faire trop de compromis, puis en fait, tu vas même peut-être perdre cette valeur-là qu'une femme peut avoir, avoir en toi, dans le sens que tu, sais, tu vas avoir la moins confiance parce que tu fais trop de compromis, euh, tu sais, es trop gentil, etc. Puis là, ça fait qu'au final, ça se peut que euh, tu as désespéré de l'avoir, puis là, ça fait qu'elle ne voit plus cette valeur-là en toi parce que tu veux trop ouvrir la porte à une prochaine fois. Fait que c'est comme. Contre-intuitif, toi en montrant ton intérêt, finalement, ça fait qu'une femme est plus intéressée. Ça peut arriver justement en ayant l'air un petit peu trop désespéré dans cette mentalité de rareté-là que je parle un peu dans la dernière vidéo. Tu vas voir ça, cette vidéo-là, si tu l'as pas vue, parce que c'est comme une suite un peu, on dirait, à la question. Euh, maintenant, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut voir là, dans tout ça? C'est que, euh, elle dit, la situation actuelle, en fond, quand quelqu'un t'amène quelque chose, tu sais, la personne, elle a dit oui, mais... Bien, la porte est déjà ouverte quand même à un dialogue. T'sais. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu peux convaincre la personne du contraire instantanément. Ce n'est pas ça le but non plus. Je pense que le but de, du monde un peu de la persuasion, ce n'est pas de faire des tours de magie pour que les gens, c'est comme un peu, euh, euh, faire euh, contrôler l'esprit de l'autre pour magiquement qu'elle pense différemment. Ça, ça serait euh, immoral. puis c'est pas ça que tu veux non plus. Tu veux voir. Tu veux, tu veux te rejoindre la personne pour essayer de lui faire voir les choses différemment, que son opinion change, puis que finalement qu'elle s'ouvre. Que là, dans le fond, cette femme-là, disons qu'on revient à cette situation-là, elle parle il y a l'histoire de la période actuelle et l'histoire de sa santé, qu'elle a un problème de santé. Puis là, maintenant, je pense que ce qui est important, c'est d'adresser chacun euh, individuellement, puis vraiment explorer le thème. Le problème de santé, je ne sais pas c'est quoi, mais si toi, tu lui expliques que. C'est all good, moi ça me va, on va aller à ta vitesse, etc. Je ne sais pas, tu sais, disons qu'elle a un problème euh, au niveau de sa mobilité, ben, regarde, on, je pourrais me déplacer, venir te voir, etc. Whatever. Tu, sais, tu trouves des, des, des petites de solutions pour juste amener que tu es correct avec la situation, et on va aller de l'avant avec ça. Tu sais. là, je ne sais pas c'est quoi son problème de santé. Peut-être qu'elle veut attendre que X, Y, tu Z, sais, peut-être qu'elle a un traitement quelconque, qu'elle veut finir son traitement avant qu'on se rencontre. Ben, Peut-être qu'il faut que tu acceptes que ça va être ça qui va arriver pour vrai, parce qu'elle va se sentir plus à l'aise. Parfait, ben on, on s'en parlera quand tu auras terminé ton traitement. Tu sais. que là, ça sera à toi de voir. Je ne connais pas la situation, ce n'est pas clair. Le problème de santé, c'est assez ouvert, là, mais juste, on, on règle, dans le fond, le problème pour trouver une résolution. Tu sais. Puis, si elle dit oh, ben Moi, je ne me, tu sais, tu sais, me sens pas prête à cause de X raisons, puis finalement, ben, c'est quelque chose que tu peux un peu euh, euh, contester, mais tu peux dire OK, je comprends que tu me dis ça. Mais est-ce que, est que tu croirais aussi que ça pourrait être X, Y, Z autre? Tu sais? Fait que là, tu, sais, je, tu sais, juste essayer d'exprimer le concept que tu, tu, con, tu sais, t as, t as une empathie pour comprendre l'autre, mais en même temps, tu peux, dire, tu peux tu voir ça aussi différemment peut-être. Puis là, après, ben, si la porte est fermée complètement, bien, là, on ne peut pas vraiment discuter de ça. OK, bon, je, je comprends ton point. That's it. Puis là, c'est comme on peut passer à une autre femme ou attendre que sa situation ou là, attendre que son état d'esprit change, parce que ça se peut que ça change. En même temps, si elle, elle ouvre la porte, et dit Ah oui, ouais, peut-être, j'avoue. OK. Là, on peut laisser ça aller. On peut laisser ça euh, cette idée-là garder en s'attaque un peu. Puis après, peut-être revenir plus tard. Ou tu vas peut-être pouvoir revenir à elle plus tard pour lui parler de ça. Même chose aussi avec la période actuelle. Tu sais, selon la période, ben, ça va monter, descendre. On ne sait pas où est-ce qu'on est encore au niveau de la période. Là, là je change la vidéo. Puis ça va de mieux en mieux, mais tu sais, on ne sait jamais. Ben, encore une fois, c'est la contester sur ça, sur dire ben, Regarde, ça ne nous empêche pas de de, de s'appeler au téléphone, de se faire un appel vidéo, ça ne nous empêche pas d'aller prendre une marche, ça ne nous empêche pas de XYZ, puis là, ensuite qu'est-ce que tu dirais qu'on aille faire X, y, Z, des activités qui sont plus sécuritaires pour elle, qui sont, qui sont plus, qui la rendent plus à l'aise, puis là, ensuite, pour transitionner vers des moments où est-ce que vous êtes plus seul à seul, peut-être, si elle trouve ça correct rendu là. Tu sais. Au final, c'est vraiment s'assurer qu'elle se sent bien la situation, puis là tu sais. Fait encore une fois, là, on adresse. Là, qu'est-ce que je, je trouve intéressant, je t'aurais donné des, des pistes des solutions pour adresser un peu ce qu'on pourrait appeler dans le terme, le jargon de vente, les objections. Tu sais. Je pense que c'est important de faire ça au lieu de tout de suite accepter sa réponse faire, OK, bien, en passant, je, je suis disponible. Oui, ça va être quelque chose que tu pourras dire plus tard, mais avant de faire ça, il faut explorer quand même, entre guillemets, encore une fois, les objections que, que tu reçois pour pouvoir trouver un terrain d'entente pour avoir la bonne piste de solution en le futur. Parce que si tu acceptes tout de suite ça, ben, on va pouvoir toujours te ressortir ces, ces réponses en le futur. Parce je te l'avais dit là, que je ne voulais pas rencontrer à cause de la période actuelle. Comme, All right, parce que tu as pas discuté. Tu es, es comme pris dans, dans ces objections-là. Il faut pour, pour un peu les, j'allais dire les déconstruire, mais prendre le recul sur ça, les analyser, discuter, comprendre où est-ce que c'est en ligne. Puis ensuite, peut-être dire, en tout cas, moi en passant, quand ça va mieux aller, je serais, à, je serais ouvert à te revoir. Tu sais, on pourrait peut-être faire de quoi, etc. Tu, tu, tu dis, euh, tu sais, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse XYZ prochainement quand ça va. Tu sais, si, si on prend pour acquis que ça c'est réglé, euh, tu serais-tu ouvert à faire XYZ prochainement? Dis, oh oui, certainement. Parfait, bon, on s'en redonne une nouvelle. Dans le fond, tu donne une nouvelle c'est tu sais, vraiment périodiquement, que ce soit au trois, cinq jours. Euh, tu envoies un texto qui apporte de la valeur, c'est un texto qui est une affirmation intéressante. Ensuite, tu prends un peu de ces nouvelles. Après, ben tu vois où est-ce qu'elle est rendue au niveau de la façon qu'elle répond au niveau de son intérêt. Puis à un moment donné, bien, tu te rends à la réalité. Tu dis, hey, on s'était parlé il y a quelques semaines de, de se rencontrer. Là. Ça serait un bon moment qu'on fasse ça cette semaine. Là, ça se peut qu'elle dise oui, ça se peut qu'elle dise non. Selon ses réponses, bien, tu vas pouvoir toujours revenir, mais tu sais, on avance. Tu sais, le projet est accepté, puis là, on avance dans les étapes de ce projet-là pour un, un jour le faire fonctionner. Puis vraiment, c'est une façon, en étant quand même plus patient, des fois les gens sont pressés, en être un petit peu plus patient, c'est ça qui peut peut-être te rendre plus rapidement dans le fond, à la rencontrer finalement. C'est euh, ça que je voulais t'enseigner te, aujourd'hui, un peu, euh, euh, parce qu'il parlait du concept d'être désespéré. Je pense que c'est désespéré d'inviter quelqu'un. Maintenant, c'est de constamment essayer de recontacter la personne, constamment être après la personne, la talonner, dans le fond, de tout le temps là, là où tu as l'air désespéré. Maintenant, tu as le droit de vraiment établir que. T'sais, on s'en allait super bien. J'aimerais ça peut-être qu'on se voit prochainement, donc on pourra s'en reparler quand tu vas te sentir plus disponible. Parfait, cool. la laisser, Puis, euh, tu elle révitera plus tard. En attendant, peut-être faire d'autres rencontres. Juste, euh, sais, ce n'est pas la seule option. C'en est une intéressante. Puis, puis, ça, à un moment donné, ça débouche avec elle, la hein, tu vas pouvoir la rencontrer, tout simplement. Donc, pas tomber dans une mentalité de rareté, il absolument que ça marche avec elle. Peut-être aller dans une mentalité un peu plus d'abondance, comme j'avais parlé dans la vidéo précédente, puis revoir la vidéo. Euh, ou est-ce que je réponds à une question? C'est relatif à ça. Je parle des CD mentalités-là. Bien, c'est dans la permission de faire plus de rencontres puis tu vois ce que ça peut amener dans le futur. Donc, uh, that's it. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Euh, J'espère que ça a répondu à ta question. Sur ça, maintenant, si tu ça que je t'aide euh, pour changer ta situation avec les femmes, viens me voir en privé. J'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourra peut-être t'aider avec ça. Donc, on pourra s'en parler en privé si ça t'intéresse de voir comment ça fonctionne. Puis sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.